らしくできるあのルイ・ヴィトンのスペースで展示をされるんですけれども、あのもうちょっと今まで私がベンヤさんの作品として拝見しなかったような新しい展開をしてくださるという、まあ、そういうご説明をあのさっきちょっと受けたんですけれども、それはどんな作品になるのか、それからその考えの、あの作品の背景にある考えを聞かせていただけますか。L'inspiration est vraiment venue de la visite de l'espace, pratiquement vitré sur trois côtés. Pour moi, il y a une espèce de douceur de Tokyo, du Japon, une idée de raffinement peut-être. Et donc j'ai eu envie de faire quelque chose autour de cette idée de suspension. L'idée première, c'était, comme l'espace est très vertical et qu'il n'y a pas de mur, de faire un objet qui se tourne et qui, en tournant, par la force centrifuge, se déploie dans l'espace. Il y avait une idée très simple qui était de montrer comment la force centrifuge allait prendre le pas sur la gravité au travers d'un objet sculptural. En fait, après cette idée centrale d'un seul objet, il y avait d'autres idées qui sont venues, qui étaient de montrer aussi différents aspects de mon travail qui entouraient cet objet principal. J'avais envie de faire une statue qui soit une statue qui représente plus ou moins par son échelle, à la même échelle que le spectateur, mais qui soit montée sur un piédestal. Là, j'ai très directement réutilisé les architectones de Malevich comme un point de départ. L'idée qui m'intéressait, c'était d'avoir vraiment quelque chose avec un élancement et une idée de suspension aussi, une idée de dynamique qui est très liée à la figure héroïque de la sculpture, qui sont Malevich, Calder, Brancusi, bien sûr, Giacometti. Donc une idée comme ça, qui est une idée moderne, un peu existentielle, de vouloir atteindre quelque chose, ce qui est surtout sensible dans l'œuvre de Brancusi, que l'art est une représentation d'une transcendance qui mène à une compréhension plus générale et où, de manière plus prosaïque, on prend de l'altitude. Puis après ça, il y a aussi des œuvres qui sont ce que j'appelle les tableaux papier. Ce n'est pas vraiment des collages, puisque le papier est libre dessus, mais des superpositions de couches de papier qui sont épinglées comme des insectes dans une boîte armée, une boîte vitrine. Donc c'est ces images qui sont des images extraites d'un petit film où j'avais essayé de m'initier à la chute libre dans un simulateur de chute libre avec un instructeur, et où donc j'étais dans une soufflerie et en état d'apesanteur d'une certaine manière, en suspension dans l'air. Donc il y a à nouveau dans toutes les œuvres, il y a un peu cette idée d'être comme ça, un peu en l'air suspendu. Pédestal,っていうのは 非常に、まあ、あのインスティテューショナルクリティックの中では一回彫刻から外されたものだったと思います。つまりペデストル、台座があることによって、あの非常に、まあ、あのある意味で観客との関係が阻害されてしまうという批判を受けたわけです。でそれに対して、私はもう一度ペデストルというものを、その非常にさっき申し上げた21世紀の建築の文脈、つまりはそのどこまでが空間でどこまでが作品か、その用途によってそれが非常にフュージョンしている状態、非常に関心を持って見ています。En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire de l'art, il y a des formes qui ont été développées, qui étaient des formes minimalistes de réduction de la figure, par exemple, comme chez Robert Morris ou Sol LeWitt. Et moi, ce qui, d'une manière un peu perverse, mais ça m'intéresse aussi, de redonner à ces formes la fonction d'un socle. Mais c'est un socle qui est extrêmement valorisé, qui pourrait presque exister. Je suis conscient que ce socle pourrait exister d'une manière autonome en lui-même, sans porter de figure. Et il y a souvent une égalité, une attention qui est la même chez moi entre le travail sur le socle et sur le piédestal. Moi, je m'intéresse beaucoup, par exemple, dans la peinture, au cadre, au support, à la manière dont le tableau s'est développé au cours des siècles. En fait, on se rend compte, quand on fabrique des choses dans l'art, qu'il faut que les choses tiennent conceptuellement, mais il faut aussi qu'elles tiennent matériellement. Tout ce qui est un peu mis de côté et méprisé comme étant purement pratique m'intéresse beaucoup. Une question dans l'art qui est très intéressante, c'est comment ça tient. Dans l'histoire de l'art, on regarde, il y a des formes, et ces formes sont aussi des formes extrêmement pratiques, avec des raisons extrêmement liées à la connaissance des matériaux, à la connaissance des techniques, qui font qu'on arrive à des formes qui sont après ça analysées de manière plus conceptuelle, plus théorique. Ce qui m'intéresse pour répondre à votre question, c'est
c'est pas vraiment le fait qu'il rentre physiquement, c'est le fait que l'image ne soit pas simplement quelque chose qui regarde, mais quelque chose qui représente un univers qui pourrait être un contexte réel, qui pourrait affecter le spectateur. L'image est là pour être prise au sérieux, même si parfois elle est un peu dérisoire ou un peu drôle. Mais de par sa taille, de par ce qu'elle propose, on monte dedans, elle est quand même inscrite dans le réel. Béan-san ga ano jintai をまあモデルにしていろいろな抽象化、リダクティブなこういう抽象化、キュビスティックな形を作られるときにスケールのさまざまな変換をされる、まあ、ここでお尋ねしたいのはそのサイズをまあいろいろ変えられることによってあるいは形の抽象化のレベルを変えられることによって私たちの人体がこの空間の中でどういうふうに関わっていくかについてのまあいろいろな実験をされているということが一つとそれからあとはベンヤンさんがこうどういうふうに環境の中でこの世界を作っていかれようとされているかということをまあ伺いたいと思います。Ça, c'est une question très importante et très centrale qui a à voir avec sans doute une question fondamentale existentielle qui est une question de rapport au temps, de questionnement sur son existence propre par rapport aux autres. Et j'ai mis assez longtemps à aborder la figure humaine, en fait, qui est centrale maintenant dans mon travail. Mais au départ, c'était surtout des objets qui étaient presque des objets négatifs des formes humaines qui se sont plus ou moins approchés après ça de la représentation de figures existant réellement dans l'espace. Pour moi, l'espace de l'exposition, par exemple, est comme une sorte de jardin dans lequel on se promène ou dans lequel on a différentes rencontres visuelles. Les rencontres sont parfois des rencontres de personnes avec des degrés d'intimité ou de proximité différentes. Je pense que tous les gens qui nous entourent n'ont pas la même valeur à nos yeux. Il y a des gens qui signifient plus de choses pour nous. Et d'une manière très simple, je traduis ça aussi dans des formes, c'est-à-dire que certaines personnes sont définies et d'autres sont plus comme des fantômes. Donc ce sont des personnes, souvent des personnes que je connais, des personnes dont je suis proche, dont j'ai fait le portrait, et après ça, la manière dont je les représente, en fait, ils deviennent de plus en plus universels, et ils s'approchent plus de formes comme de silhouettes. その抽象化のプロセスにおいて、そのご自分の知っている方がどんどんまあこういうリダクティブになって抽象的になっていくプロセスにおいて相手に対して自分が関わりがどうであるとか相手のことをどれぐらいインフォメーションを持っているかってことっていうのがやっぱりこの抽象化のプロセスに深く関わってきていると考えていいんでしょうか。C'est plutôt une volonté d'essayer de comprendre par la forme une personne, c'est-à-dire je pense que les attitudes, les postures sont aussi révélatrices que le langage, par exemple, ou que les traits du visage. Mais ce que j'aime bien, c'est quand les gens s'installent dans une pose et que sans qu'il y ait d'intervention manuelle ou d'intervention arbitraire de l'auteur, de l'artiste, que en fait, le cadre de la situation dans laquelle on met les gens pour poser leur permette de s'exprimer physiquement. Et en fait, tous ces personnages, ils ont posé pendant presque une heure. C'est comme une révélation, mais au sens photographique. C'est-à-dire qu'il y a besoin aussi de temps pour que l'image se révèle. Aujourd'hui, les techniques que j'utilise pour faire des statues sont en fait, avec 100 ans ou 130 ans de décalage, sont assez proches de ce qui se passait avec les premiers développements de la photographie où les gens devaient rester très longtemps sans bouger parce que les films n'étaient pas suffisamment sensibles pour capter le mouvement. De, もう一つは色彩のことについて伺いたいと思います。非常にそのポップな強いオレンジとか黄色とかブルーを使っていらっしゃいますけれども、これは何か色彩的なシンボリズムとかが目安の中にあるんでしょうか。Il n'y a pas assez de couleurs en fait, on manque toujours de couleurs. Les couleurs sont comme des espaces évocateurs, mais encore une fois, c'est comme les formes, ce sont des réceptacles. C'est-à-dire qu'on va associer à certaines couleurs un dynamisme par exemple, ou une certaine idée générale. Par exemple, on dit des couleurs chaudes ou des couleurs froides. Bon. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'abord le fait que les couleurs sont une fréquence et quelque chose de très immatériel, qui est un peu comme le langage, quelque chose sur lequel on s'entend. C'est-à-dire on est d'accord pour dire
ce vert-là est un tout petit peu plus foncé que celui-là, ou cette couleur est un peu plus chaude, etc. Pour moi, c'est un grand mystère de la perception, comment les bâtonnets qui sont dans nos yeux, comment le système nerveux peut arriver à cette précision, cette compréhension, cette entente commune sur quelque chose qui est très immatériel. Donc il y a encore là un côté assez mystérieux, mais qui est presque une dimension sociale de la couleur, c'est-à-dire son aspect qui s'approche du langage en fait. 他のインタビューの中でそのゲーズ、視線の話をされていたと思うんですけれども、見るビュアーの、その体験とかパーセプションの中で絶えずその異なったものが現れるということに対して、非常にそのベイアンさんは意識的に考えてらっしゃると思うんですけれども、ご自分のコンセプト自身とそのビュアーがそれぞれに自分のパーセプションの中で受容するもの、あるいはイマジネーションが受容するものの関係はどういうふうに思ってらっしゃいますか？Je pense que c'est là qui est tout le mystère en fait de l'art, parce que je travaille avec beaucoup d'attention et beaucoup d'aide de beaucoup de gens pour faire des objets extrêmement précis. En fait, j'essaie de construire leur lien avec le regardeur. J'essaie d'établir une relation. Mais j'essaie aussi de construire leur autonomie. Donc c'est ça qui fait que, par exemple, je vais faire une exposition qui va être un ensemble, et un collectionneur va acheter un élément de cet ensemble et le mettre dans un contexte que je ne maîtrise pas du tout. Et là, il va se passer autre chose, un scénario que je ne pouvais pas envisager dès le départ, mais c'est pourtant là que l'œuvre va commencer à réellement exister. Et donc il y a un grand mystère là-dedans, parce qu'on cherche à préciser des choses d'une manière presque obsessionnelle, et puis à un moment on lâche et l'objet vit tout seul. Et je crois, moi, que cette précision est indispensable, mais cette vie autonome est aussi indispensable. C'est une idée qui m'intéresse beaucoup, parce que d'une certaine manière elle dépasse le contrôle de l'artiste, elle dépasse l'arbitraire de l'artiste, et en même temps elle est le prolongement de cet arbitraire et de cette décision. C'est toute la question en fait entre le lien et l'autonomie. とても東京のやっぱり日本の人たちは非常にこうそういうフリーフォールといったような、ある意味でその身体感覚を解放していくような、そういうメッセージっていうか表現に対して非常に皆さん楽しみにレスポンディングされると思います。私は非常に大脳生理学に興味があって、その意識が作ってる人間の意識がそのフォームに反映されて、そのフォームが見る人間の意識に対して働きかけるという作用に非常に関心を持っています。それがどういうふうに見るに使う人間、見る人間にアフォードしていくのかという問題、その違いだけで、例えばそれがデザインであったりアートであったり、でもフォームというのは必ずファンクションがあってもレプレゼンテーションであっても、作った人間の意識の形を非常に強く反映しているものだというふうに思います。で、今回のベイアンさんのお話は非常にそのことを、もう一度私が考えていたことを強くコンビンさせてくれた、とてもフルスフルなインタビューでした。Merci beaucoup. ありがとうございます。ありがとうございました。